Donc, est-ce que je peux aller dans le magasin ou pas? Night time. On mettra la petite par OK, donc ça c'est un oui chinois. Hein. On peut mettre 5 pièces. Normalement, je crois que ça a été réparé justement dans le bal d'aujourd'hui. On peut mettre 5 or pour compléter ceci. Et alors on gagne. Et normalement, la Wishing Well vous donne, vous améliore vos stats. Donc, on va essayer. Ah, non. Le True Count, ici, améliore le pourcentage de réussite. Ok. Donc, maintenant, on sait ce que c'est. C'est sur la chance, donc on va envoyer l'ultime là-bas. Puisqu'elle a, devra avoir normalement, je suppose, 50 de chance. Ça va être plus intéressant. Et lui, il va revenir se promener par ici, pour le prochain. Il va donner. Il va passer sur d'autres. Ok, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il nous reste comme tour? 7 tours. Robin, c'est de toi. Ça avance pas très vite, mon ami. Parce que le magasin s'ouvre, ouais, il est fermé encore aujourd'hui, on a encore jusque demain. J'ai ceci qui me donne un full focus et le nouveau sol ici, je pense. Hein. Ok, donc on va peut-être y arriver. Parfait. Energy boost. Et on va faire. Et là, je t'embûche, même si je rate, ça ne changera rien. Sauf que cette fois-ci, je passe devant. Si j'ai de la chance, je le mets tard. Vous voyez, même s'il est là, c'est quand même un. Donc il passe, nos deux joueurs vont être avant lui. Parce que c'est pas lui hein, qui a commencé, qui a fait l'embûche, hein. C'est Robin des Bois qui a fait l'embûche. Donc, malgré que le loup ait un doigt jouer en premier, nous allons taper tous les deux avant lui. C'est intéressant. Ça c'est un peu intéressant. Non, j'ai pas bien pigé le truc. Hein. Donc, malgré que ce soit lui qui ait fait l'embûche, c'est Harry Potter qui a démarré premier. Parfois un petit peu bizarre. Allez, une petite plante. Merci. J'ai oublié ceci et donne un boost pour l'évasion. Bon, je suis pas sûr. Ça peut être intéressant pour des combats longs. Mais par contre, c'est très intéressant ceci sur la carte stratégique. Si vous êtes par exemple entouré d'ennemis et que vous n'avez plus de vie, ben, vous pouvez utiliser Sneak avec ça. Enfin, c'est pas utiliser Sneak, vous devenez indétectable. Et donc ça, je vais donner également à notre ami ici, que je donnerai à l'ultime. Voilà. Regarde. Avec nos mouvements, hein. On ne peut pas aller jusque là. Un corbeau, il devra en avoir deux sans doute de corbeau. Ouais, ben on va. Ah, voilà, on va arriver. Il y en a trois qui arrivent. C'est sympathique. Arrive. Si on se calme un peu, s'il vous plaît.
un carnaval, la ticket. Ça, vous devez avoir dégagé un location dans le magasin de store pour pouvoir l'utiliser. Dark Carnival. Ok. Je scroll. Donc, je préfère toujours les nouveaux utiliser. Le mage, tout ce qui va être parchemin. Ok, il reste deux. Donc j'ai dit que c'était l'ultime qui allait ici. Si je ne me trompe pas, oh, elle donne 2x5 points d'expérience. C'est étonnant. Nouveaux ennemis, des fantômes, des bats, donc des chauves-souris et des squelettes. Ça paraît pendant la nuit, ces questions-là. Harry Potter, c'est à vous à jouer. Eh bien, on va aller faire un petit tour au magasin, mes enfants. Lutine, donne tes sous. Toi, tu viens ici, on va bien voir ce qu'on peut faire. Regardez si on peut démarrer quelque chose. Oh, des choses que on n'a pas dans les magasins normaux. Ça veut dire qu'on a le droit ici de fuir immédiatement un combat sans devoir utiliser donc les deux exés de vitalité qui nous permettraient de le faire. On perdrait notre tour, on perdrait le tour suivant. Ici, skill refocus. Ah non. Oui, c'est quand même pas mal, hein. Skill refocus. C'est bien sympa. Harry Potter l'a déjà, mais Lutine l'a pas. Et Robin des Bois, ça serait très bien pour lui aussi. Skill steady, ça permet de faire comme le blacksmith, de résister à une attaque. Steady fast. Immuniscar, ça c'est pour plus pour la fin des actes finaux, parce qu'on peut être effrayé. Donc Scar Immunity, c'est pour éviter d'être effrayé. Et si on est effrayé, je crois qu'on peut soit fuir, bon ça c'est la confusion, mais sans doute, sans doute fuir. 4 régénérations de vie partout, bon c'est pas mal non plus. La glace rose, ça c'est... pas mal, non. Non, ça, c'est pas bien. Parce que, regardez, c'est breakable, mais on peut pas focus. Et donc, si vous ratez votre coup, ça disparaît. Par contre, le blast, ça donne 12 de damage à tous les ennemis. C'était pas mal non plus. Bandit Bow. Ouais. C'est une petite arme. Bon. Elle est pas mal. Elle est pas trop mal. Ouais. Pas terrible du tout. Et ici, un bonnet pour récolter des herbes. Donc ça veut dire que quand on s'arrête en dernier tour, donc on récupère, si on est dans des villes où il y a les hautes herbes, hein, là-bas, on récupère des herbes. On peut récupérer des herbes. Et en même temps, ça donne ce qu'il est le party heal. Par contre, ça nous diminue de 5 la distance. Alors, la vitesse. Le fine distance plus 1, ça veut dire que quand vous approchez à 2 cases, par exemple, d'un magasin magique, ou d'un puits, ou vous savez, des choses qui apparaissent, des locations qui apparaissent, mais au lieu de les faire apparaître à 2 points de distance de vision, vous les ferez apparaître à 3 points de distance de vision. Mais bon, c'est quand même très intéressant. Mais là, de toute façon, j'ai pas les sous. Donc, on a 33. Avec 33, on pourra s'acheter... j'aime quand même bien ça. 33. Mais c'est de toute façon, non, on n'a pas le droit d'acheter autre chose. Ok, de toute façon, on va aller chercher des sous près de notre vie. Ferme. Arrive. Je pense que normalement, il devrait rester là. Hein. Et on va prendre les sous de monsieur ici. On va vendre son fric. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il reste 6 tours. Il reste 6 tours et on va venir par ici faire ceci en premier lieu.
exactement, tu passes pas dans ça. Un Jellicube, là, bon, ben, c'est pas très sympa comme bestiole. Enfin, il y a des manières de buter. C'est pas très fort, c'est très lent, mais ça peut vous ronger. Enfin, donc, il vous fout de l'acide et puis il vous détruit un de vos objets dans l'inventaire, ce qui est quand même assez désagréable. J'attaque ici, j'attaque avec un ghost. Ouais. Alors ici contre le ghost, bien entendu, ça va être la magic résistance qui va être testée. Hein. Ouais, eux sont pas costauds. Donc 2, puis je pourrais remonter. C'est lui ici qui doit venir ici dedans. On a juste un petit pépin, c'est qu'on va prendre. On est obligé de faire le tour comme ça. Ça fait loin, ça. Donc, ce que je vais faire, ça fait très loin. Je dois dire que ça fait franchement très loin. Je pense qu'il serait plus intelligent. Mais on n'a qu'un seul téléport, vous voyez. Et j'enverrai bien l'autre garçon ici. Harry Potter, on va le chercher. Oui, ça fait loin, hein. Et on n'a plus que 6 tours. Donc on va être obligé de faire ça. Un point, hein. On va voir de toute façon ce qu'on va gagner ici. Donc j'attaque avec Robin des Bois, le petit fantôme. Je dois être plus rapide que lui, je pense. Cas, il fait 18, donc on va peut-être réussir ceci. Ouais, nice. Et vous voyez, j'étais à 10, je suis passé à 13. On verra après ce qu'on peut lui faire comme dommage. Alors, lui, on peut pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas lui faire, donc on va tout simplement. Là, c'est normal. Ah, il meurt de toute façon, ok. On va rester dans le coin, donc ton copain, tu fais une zone. C'est aussi assez dommage que quand il vous reste un point d'HP, par exemple, eh bien le skill ne va pas, quand vous faites une zone, le skill ne se met pas en route. Ok, Miss, c'est à vous. Testez ceci. Drink. Vous voyez, elle a 85% de réussite. Donc, ça veut dire que elle a 85 actuellement en chance. Elle a 25 du truc qu'on a gagné. Et donc, effectivement, nous pouvons maintenant savoir qu'elle, donc la ménestrelle a, au démarrage, par sa propre classe, elle a 60 de chance. Nice. Eh ben, y arriver, hein, je suis pas. Et je réussis. Qu'est-ce que nous avons gagné? Je pense que nous gagnons. Voilà. Elle peut augmenter son focus, son max heal, son max défense, son max resist et son niveau. Moi, bah, écoutez, elle a besoin beaucoup de focus généralement. Et donc, elle a ceci qui est intéressant à augmenter, la défense, mais j'aime beaucoup monter son focus. On va lui donner un max focus. Parfait. Et en plus, elle a spin recopin, c'est magnifique tout ça. Voilà un bon petit tour, ça. C'est bien sympathique. Bon, Harry Potter, mon ami, toi, tu dois venir jusqu'ici. Et j'ai vu ici un truc qui donnerait deux mouvements bonus. C'est pas linéaire. Ce qu'on pourrait faire. C'est vrai que c'est pas mal pour avancer jusqu'ici. Ah. 64 sur 70. Dans 6 points, il passe de niveau. Ça veut dire qu'il va, s'il réussit la quête ici, bien entendu, il va la réussir. Il va pouvoir.
Ici, full line 2000 en bonus. C'est pas mal aussi pour un récolteur un peu de nouveau bonus. C'est toujours bon, hein, de nouveau bonus. Si j'attaque ici, qui est-ce qu'il y a d'autre dans le coin? Personne d'autre. Bon, on va quand même se faire ce petit bidule-là. Avant. Et je crois qu'on va sans doute utiliser quand même le squad. Ah, attaque groupée avec le pitchfork là. 16 points. Non, écoutez. Donne-moi ta pitchfork là. Ouh, résistance, évasion, quelque chose, rien, roule, pas terrible, mieux que rien. Alors, notre pognon commence à grossir un petit peu, 39, 43. Regardez ce qu'on va faire. On va venir jusqu'ici. Nous allons utiliser notre point de focus ici. Ah, le problème que j'ai, c'est que si, je fais ceci. Je vais avoir un full focus, mais je vais également avoir 12 XP. Qui va aussi me redonner 2 points de focus. C'est un petit peu dommage de les perdre. Maintenant, d'un autre côté, je n'ai plus que 12 points de vie. Et si je me fais prendre sur le chemin, ça ne va pas être trop sympathique pour moi. Mais ça aussi, je crois que ça me donne, bon, ça me donne plein d'XP. Ben, on va prendre ça. On va pas perdre de temps. Voilà, Matrix Loot. Et voilà, 12 XP, je suis nouveau à fond. Je peux encore maintenant. Ah, même chose ici, un level up. Il nous casse notre tour, il nous empêche de jouer par après. Ok, je vais créer un bug dans le forum, je vais ajouter ce petit truc là aussi. Alors, 39, 43. C'est ce que je vais faire. Nous avons ici avec nous un vieil ultime bravo que nous allons vendre. Et nous avons tant, mon Dieu, pourquoi est-ce que je ne portais pas ceci moi? Et nous allons vendre notre chapeau ici. Contre ce chapeau-ci. Celui-ci est magnifique. Cristal en ville. Comme je veux faire de ce personnage ici. Eh, c'est un makeshift, ok. C'est le bon spear que je dois porter. J'avais mis la makeshift pour ça, et la makeshift, on voit ici que c'est une arme à deux mains. Donc
parce que c'est quand même nettement plus intéressant. Donc je vais vendre ma makeshift. Si je la vends, ça me donne 3. Pas énorme ça. Généralement, j'aime bien garder tout mon matos. Comme on peut, parce que certains ennemis peuvent vous les détruire. Hein. Et puis aussi, ça dépend qui vous allez attaquer. Il faut parfois changer d'arme, c'est parfois plus rentable que de récupérer un ou deux gold. Maintenant, si ce gold me permet de gagner, combien est-ce que c'est ça? 3. Si ça me permet de pouvoir acheter un truc intéressant, parce que je préfère ceci pour aller me battre. Et puis quand je ne me bats pas, j'utilise celui-ci. Qui me permet de, même quand je me bats à la limite, si on a nos points assez faibles. Ouais. Ça, c'est pas... Une faille distance, 5 speed de perdu, party heal, gather herbs. Oops. Ok, je vais te prendre, toi. Je vais virer ceci. Et je peux ainsi acheter un petit bonnet. Et je vais prendre pareil. Et équipe. Normalement, je vais l'équiper aussi d'ailleurs. Là, quand on a fini notre tour. On va déclencher. Mais je crois que c'est uniquement dans ce biome. Je crois que c'est dans ce biome-là qu'on récupère. Bon. On verra bien. J'ai vraiment du mal à avancer. Avec ces gens-là. On va la ramener un petit coup par ici et on va la faire dormir. Ce qu'il refocus aurait été très bien. Bon, il ne nous reste plus que 4 tours. Hein. Par contre, toi, c'est parfait, tu avances très vite. Alors, on va. On restera un ici. Mais j'ai un petit pépin avec celui-ci. Je n'ai pas envie de le battre, surtout qu'il y en a un deux et qui serait dans la page. Non. Personne d'autre dans le coup. t'as combien? Tu as 27 de vie. Tu prendrais 2 ou 3 bestioles d'ici dans ton nez. Ouais, c'est pas terrible. Je vais faire. Ceci. Utiliser ceci. Donc 5 va me permettre de venir jusqu'ici. De prendre le Sanctum of Ast. De récupérer 2 normalement 2 mouvements bonus. Mais ça ne sera que pour le tour suivant. Je vais pouvoir l'utiliser ici. Je ne sais pas ce que c'est. Le coup suivant, on sera ici. On se téléportera à l'endroit où il y aura la bagarre. Je ne sais pas où elle est. Ouais. Bah, on n'a pas beaucoup de voitures de toute façon. Hein. Ok, on va faire ceci. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir venir ici sans l'attaquer. Si je ne me trompe pas, on va voir. Vous voyez, il passe. Non. Voilà, sneak, j'ai le droit. J'ai le droit de sneaker. Ou j'ai le droit de le fighter. Mais ce serait. Qu'est-ce que j'aurais dans le game? On va voir tout de suite. Start the fight is over. Maintenant, il y a un ray. Et dans le ray, il n'y a personne d'autre. Bon, tu pourrais faire ça tout seul. Mais il y en a 2 ou 3, hein, des bidules là. Il n'aurait plus beaucoup de points. Mais comme il va récupérer dans toute sa vie ici-dessus, on va en profiter. On va attaquer. On va attaquer. Ouais, ils sont 3. Alors, là, ici, on est Lightfoot. Oula. Sec. Hein. 18. Bon. J'aurais mieux fait toute le cœur. Je vais foutre le cœur. Je
peux même pas en buter. Si je pourrais en buter un, mais après un vrai, et puis pas sûr. On va foutre le camp. On sait. Parce que là, c'est vraiment trop dangereux. Quoi, je savais pas qu'il donne au centre. Donc, on sait que ça donne ici. Ah, je suis passé à zéro. Très mauvais. Je suis toujours comme ceci. Donc, au moins venir jusqu'ici. J'aurais dû passer, pas m'en préoccuper. Sneak. C'est dommage. C'est bien dommage. Tant pis. Donc on sait qu'il donne 6 points de dégâts. Qu'est-ce que je peux faire ici? Si je peux attaquer. Non. Je serai tout seul. Moi je crois qu'on va attaquer normalement tout seul. Celui-là je l'ai pris. Hein. Ouais, parce que c'est une correspondance. Bon, il doit être assez costaud maintenant. On va pouvoir buter ce truc tout seul. Dans tous les cas, l'autre est tout seul, donc je peux faire. Je serai plus rapide de toute façon que lui. Donc, je ne vais surtout pas faire d'embûche, bien entendu. Puisque sinon, c'est lui qui passera en premier lieu. Alors, c'était tout simple, voilà. Merci pour le physical, bien aimable. Dans tous les cas, on devrait passer, je pense qu'on aura 4 points d'XP. Donc, on ne va pas avoir de difficultés. On va devoir récupérer notre vie, c'est simplement ça que je voulais dire. Nice. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, celui-ci, ça, c'est là pas mal non plus, parce que même si ça utilise ces stats-ci, ça fait 25% de dommages en plus. Et ça stun. On peut stunner avec, pardon. Et ça fait 12 de physical. On va de toute façon le collecter. Mais, ouais, non, il est pas très bon quand même. Pas très bon. Je vais revenir ici. Ensuite, c'est à la Nice. C'est à la Nice. Voilà, Panax, ça a marché. Ah, super. Donc, on n'a pas besoin d'aide. On peut être dans n'importe quel biome. Enfin, du moment qu'on n'est pas dans une ville, on peut récupérer une aide. Mais là, on a récupéré un Panax. Et le Panax, donc, c'est pour soigner le poison. Nice. Bon petit investissement. Petit investissement, ce champion. Oh. Là, on aurait celui-là avec. On va pas aller tout seul attaquer le bas. Petite routine. Travaille pas grand-chose à faire pour vous. Ça, certainement pas. Je crois que nous allons nous rapprocher de 1 simplement pour être avec Robin et moi. Et nous faisons un petit turn. Et elle récupère 3 points de vie. Puis on va faire une petite course dans cette heure. Oh! Ah non, j'allais dire que ça reste. Non, ça s'en va, ça ne reste qu'un tour. En tout cas, c'est pas mal cette petite herbe pour promener.